con los terroristas. Salut tout le monde, c'est Pierre Gamer. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 32 de notre aventure sur Assassin's Creed 4 Black Flag. Alors c'est parti pour la mission. Je me suis rendu. C'était pas très long, mais bon. Allez hop, c'est parti. La confiance, ça se mérite. Où on va, capitaine? Principe et quartier maître. On met le cap vers les côtes de l'Afrique. Ah, on va à Principe. Ok. Les codes de l'Afrique. Alors 32e épisode déjà, putain. J'aurais jamais cru qu'il aurait duré autant de temps quand même, 32. Mais bon, c'est même pas encore la fin en fait. Ok. Je vois rien moi de principe. Hein. Ok, alors. Où est-ce que je vais? Ah ok. Ah je suis déjà arrivé en fait. D'accord. En gros, il faut que je continue. Oh ok, les navires ennemis. Ils sont forts ou pas forts? Oh, c'est des petits canonnières. Ça va être vite réglé ça. Oh, je les ai jamais vus. Oh putain de shit. Je m'en doutais qu'il y en avait un gros qui se cachait ici. Aïe. Et allez là. Allez. Là je me bouffe le caillou là. C'est pas bon ça. Adios. Ok. Ouais, mais le problème, c'est que notre bateau, en fait, est à moitié amoché. Ça, c'est pas cool. Ah, je peux même pas balancer des mortiers méga puissants. Quoi. On va s'occuper de lui. Ah, putain, mais fuck. Fuck that sad shit. C'est trop chaud de tourner en fait. Croyez mon expérience, c'est trop chaud de tourner. En 32 épisodes, je sais toujours pas bien tourner, tu vois. Mais c'est chiant, ces putains de cailloux là. Regarde. C'est chiant, en pleine bataille quoi. C'est du décor, mais c'est casse-couille comme décor. On peut l'aborder lui, ça pourrait être pas mal. Alors oui, je me suis amélioré en off. J'ai amélioré le jack d'eau parce qu'il était grand temps, je pense. Vas-y, je le tiens là. Voilà. Attends, on l'aborde, normal. Barça de Anzin. Ah, c'est même pas des Anglais ni des Espagnols en fait. Ah, il y a du bois en plus. Magnifique. J'espère vraiment que ça va pas faire comme Barbe Noire où on a même pas eu le manoir, on a rien eu en fait. On a tiré 0% du profit, c'est con. Oh putain, shit. Oh non, fous-moi pas ici quand même. Oh, comment on tourne? What? Oh le bug! Oh comment on tourne! Eh, on tourne wesh! On n'arrive pas à l'aborder? What the fuck? On va attendre un petit peu.
Je sais pas, mais je pense qu'il y a un bug. Oh putain. Bon, c'est bien, c'est que je peux pas perdre de vie là, avec le Jack 2, normalement. Mais non, Edouard, je voulais. Mais merde! Oh, il coule. Oh, il coule. Non. What the fuck? What the fuck, man? Eh, bon. Oh, putain. What? Oh là là, il y a un putain de bug, là, les amis. Oh là là, il y a un bug. Ouais, il y a un big bug. Je sais pas d'où ça vient, j'ai jamais eu ce bug là. Franchement, je l'ai jamais eu. Ah ouais, il y a un de ces bugs, c'est dingue. Ce bug. Oh, ce bug. Ah, je vous jure, mais ce bug, hein. Je vais les tuer à moi-même parce que là, sinon. Allez, allez, allez. What? Allez? Allez, allez, allez. S'il te plaît. Ouais, c'est bien. C'est bien, Edouard. Là, pour une fois, t'assurer. Y a un bug. Ah, bah, les voilà, les mecs. Ah, voilà, fini. Wow, ouais, là, y a un big bug. Je sais pas si... Là, vous avez remarqué, c'est what the fuck. J'ai jamais eu ce bug-là. Ouais, bon, bah, c'est cool. Hop, on répare le Jack d'eau. J'espère qu'ils vont pas faire les radins et ils vont tout me le réparer à fond. Ah, franchement, là, y a un bug. J'espère que ce bug est fini, là. Et apparemment... Localiser le sage. Ah, le sage. Mais oui, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu. Lui. Le sage. Ouais, il y avait eu un bug. Je sais pas ce que c'était. Ah, franchement, les amis, là, je sais pas ce que c'était. En fait, j'ai bien fait de continuer à l'eau parce que sinon, ça aurait fait ça en boucle. Enfin, je l'ai bien vu, hein, quand même. Vous voyez. Bon, en espérant qu'il n'y a plus de bug. Enfin, ça, c'est pas un bug bien méchant. Heureusement. Eh, je vois qu'on peut sauver des pirates. Bon, on va le faire. Parce que, comme vous pouvez voir la barre, je sais pas si vous arrivez à bien voir la barre. C'est que. On n'est pas à fond en fait. Je vais chercher Robert. Ne traîne pas. Ok. En gros, ce qu'il a dit, il a dit que je dois pas traîner. Parce que les hommes, ils aiment pas cet endroit. Ok. Alors d'abord, on va se synchroniser avec cette île. Hop, synchronisation. Ok. Moi, je pourrais faire le plongeon pour la cool attitude. Je m'en bats les couilles du plongeon. Voilà. En perdant 0 dégâts. Alors déjà, il y a un coffre. Mais moi, bien sûr, ça va faire en off. Ne vous inquiétez pas, mais... On va récupérer les coffres qui sont à notre portée, hein. Franchement, on va pas se prier non plus. Il y avait sauver des pirates. Ouais, là. Ok. On va pas le perdre de vue quand même. Oh shit. Voilà, 4 de moins. La voie est dégagée.
pour seulement une balle. Et en perdant 0 dégâts. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est... Ah, merde. Ah. Ah, d'accord. Ok, ah, je recommence en gros. Ok, voici un fail. Désolé. Bon, c'est pas grave. C'est pas méchant. Merde. S'il te plaît. Voilà. Merci. Oh là, le coffre là, il est donné limite. Eh, hey, il est là le sage. C'est lui ? Capitaine Kenway. Ah. Encore une situation tragique, Robert. J'espère qu'on pourra changer ça un jour. Cesse de me suivre et ton souhait sera complet. Tout ça ne mène à rien. Tu sais que je suis un homme de parole. Notre cher vieux Howell vient de trouver la mort lors d'une embuscade du Portugais. Cette tête de mule. Je lui avais bien dit de ne pas aller à terre. Je reconnais la marque. Les Templiers Burgess et Cochrane. Les hommes qui t'ont conduit de force à la Havane. Ah, je vois désormais que nul ne se soustrait à l'attention des Templiers, n'est-ce pas? J'imagine qu'il est grand temps de riposter. Voilà une idée séduisante. Et je sais comment procéder. Mais ces hommes, Burgess et Cochrane, ils ne doivent pas quitter Principe. Ils savent que j'en ai réchappé. Ils mourront. Je te l'assure. Si tu vois des hommes de mon équipage, rends leur service et envoie-les ici. Ok, alors... on doit tuer Burgess et Cochrane. Ah, des noms, mais génial, quoi. C'est magnifique comme prénom. Non, je ne me moque absolument pas. Non, je déconne, en fait, si, c'est trop marrant, leur nom. C'est des noms à la con, wesh. Bon, allez, on fight. Oh, le bâtard. Joli. Joli, mon gars. Hop, adios. Aïe. Je vais me barrer, les amis, vous l'avez vu, vous l'avez bien vu. Et toi, je te calme. Voilà. Vous êtes tous calmés, les mecs. Ok. Salut les gens. Marre de la discrétion. On tue les gens. On va sauver les pirates. Oh shit. Ouais, effectivement là c'est l'une des situations que j'aime pas en fait. Ouais, ouais, ouais. Alors comment je fais? Et bah tout simplement je fais comme ça. Hop, hop. Voilà. Voilà. Ah ouais. Ah ouais toi. Ouais. Adios. Viens ici toi, je t'attends. Merde, je l'ai pas calmé. Oh, je vais foutre une pêche. Hop, voilà, c'est bon, je vous libère les mecs. Ah, justement, c'est un truc libérer les pirates. Moi, je voulais le faire pour. Pour moi, pour mon petit intérêt. Ah ça, fragment laisse tomber. Faut en fait, je vais tomber, je suis obligé de tomber. Et le problème c'est que je devrais ramer pour revenir en fait. Donc c'est vraiment chiant pour une vidéo. Normal mon gars que tu m'en regardes. Hop. Voilà. Maintenant je suis content. Ok, les deux, il faut les tuer. Il y a beaucoup de gens, hein.
Franchement, normal, c'est un petit village en fait. C'est un camp. Voilà, hop, calmé. Salut mec! Ça va? Ouais, j'arrive. Voilà. Tout simplement calmé. Oh my god. Ben, tu vas mourir. Où es-tu, mon ami? Ils m'ont même pas vu, eux. Hop, un par un. Au final, vous mourrez tous. Ah, c'est toi, mon ami. Putain, je suis encerclé par deux mecs. Ok. Ok, les gens veulent un coup de boule. D'accord. Je vois, je vois, je vois. Ouais. Toi, déjà, t'es éliminé. Adios. Non, tue pas les pirates, s'il te plaît. Voilà, calmez. Oh merde! Ah, je me suis trompé, les amis. Mince. Ah, putain, les enfoirés, ils les ont tués. Merde. Ouais, je me suis complètement raté. Désolé. Navré. Un point de synchronisation. Oh, la flemme. Franchement, la flemme. Vous êtes là pour de l'action. Quoi, toi? De te battre? Viens, vas-y, je t'attends. Hop. Mais c'est sérieux, là? Hop. Hop. Eh putain, mais fuck. Vas-y. Trop de monde, je me barre. Je me casse, il y a toujours trop de monde. De toute façon, il n'y a que des trous de balles ici. Salut mon gars, au revoir. Bon, allez hop. Hop. Bon, c'est bon là, vous arrêtez de vous entraider là? Elles sont à 1000 contre moi ici. Vas-y. Moi je m'en fous, c'est du carnage. Hop, calmez, hop. Mais qu'est-ce que t'allais faire là? Je croyais réellement me battre. Eh oui. Hop. Toi t'es le suivant. Hop. Et bim. Oh là, calmez. Suivant. Problème. Oh putain, mais encore deux. Mais c'est une blague. Hop, toi calmé. Salut mon gars, au revoir. Arrête de chercher, t'es mort. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on joue. Hop, adios. Je vais tous les buter s'il le faut. Ah, les mecs qui parlent, ça doit être les deux.
Ok, j'ai rien fait. Au revoir. Je l'ai pas tenté une lance contre le mec. Hop, adios. C'est bien que tu m'as suivi. Bien joué. GG. Et toi, tu meurs. Non, absolument pas. Tu n'as rien vu. Tu as rêvé. Oh, la bande. Eh, vous êtes tous jumeaux, les mecs. Oh, vous en ressemblez tous, c'est bizarre. Ok. Toi. Mais ils sont sérieux ici. Hop. Ah bah allez, on va les calmer là. Hop. Bah c'est fort mon flingue. Voilà. Adios. Cherche pas, vous avez rien vu. Bon, lui, est-ce que je le tue à la fin? Oh là, meurt. En fait, faut que je leur fais un headshot. Ah bah c'est ça qu'il faut leur faire, ok. Hein. Là, vous êtes d'accord, là? Là, je pense que là, il se fait... Non. Vas-y, toi. Tire. Hop, oh, adios. On voit rien avec les putains de feuillages. Bien joué. GG. Et putain, mais toi. Allez hop, merci mon gars. En fait, tu m'es très utile. Vas-y toi, mais viens. Je t'attends. Vas-y, tire. Hop, tant que t'as des balles, tire. Et toi, je t'headshot la gueule. Ah ok. Oh là, headshot. Adios. Y'en a d'autres qui veulent subir le même sort? Ils sont cons, ils ont pas encore compris qu'il y en aurait pas contre moi. Oh putain, toi. Et chie toi. Ouais, tu crois sérieusement. Mais il croyait sérieusement que le mec tout seul il pouvait me battre. Ouais. Genre le mec, allez, je suis beau gosse, je vais le battre. Je suis trop balèze moi. Hop. Ils sont où les deux? Bon, de toute façon, je les tue tous et après on verra bien. Hein. Je trouverai les deux à la fin. De toute façon, au final, je les trouverai. Ça, c'est sûr. Attends, normal. Bon, où sont-ils? Ah, là-bas, il y a deux ennemis. Ah, il y a un groupe, en fait. Oh, ils sont là-bas. Ok, oh, nickel. Ils sont dans le bateau, en fait. Ouais, c'est ça me rappelle. Ouais, ils sont dans le bateau. C'est pour ça que c'était dur. GG. Quoi toi? Quoi? Tiens. Calmez, vas-y à toi. Hop, hop. Et adios. Voilà. N'importe quoi les deux. Ok, alors toi. Oh là. Ah ça c'était un bel enchaînement. Franchement,
rien à dire là-dessus. Je vais récupérer des munitions quand même. Ça, je commence à craindre. 3 balles, mon gars. Ok. Bon, allez, je vais beau crâne et ma couille. Ah. Oh putain, le groupe. Ok, j'ai tué Cochrane. Non, pas dû. Il était sympa, ce mec. Il est balèze, le mec. Viens, je t'attends, mec. Et adieu. C'est triste. Nous a bien eu, Kenway. T'as enfin montré ton vrai visage. Mais pourquoi? Pour satisfaire son sale orgueil. Vous êtes mis entre moi et ma prise. Ça s'avère souvent fatal. Un crétin arrogant. Oh, Nicole avait bien raison. Ces Templiers ne sont que de vulgaires charognes. Comme vous tous. Et toi, tu es la pire de toutes, Kenway. Ce sont les Templiers qui nous ont accueillis quand tout s'est effondré. Pas notre roi, ni notre pays. Les Templiers sont une vraie famille. Où est la tienne? Genre, les Templiers, c'est une vraie famille. Ouais, mais le problème des Templiers, en fait, je vais leur apprendre un truc, mais ils sont tués à la fin. Et une solde de misère pour notre vie. Mais nous, gentilhommes de fortune, jouissons d'une grande satisfaction, du plaisir et de l'aise, de la liberté et du pouvoir. Alors quel homme doué de raison préférerait la première solution? Lorsque le seul risque que courent les pirates est de se faire fusiller du regard par ceux qui n'ont ni force ni splendeur. Cela fait 6 semaines que je suis parmi vous. Et pendant cette période, j'ai adopté... Plus qu'à attendre, les amis, qui parlent. Avec tant de zèle et de conviction que vous pourriez prendre peur en me voyant incarner vos passions avec tant d'ardeur. Mais, si c'est un capitaine que vous voyez aujourd'hui en moi, alors oui. Je serai votre capitaine. Yeah, voilà. Car sachez que j'ai plongé les mains en eau trouble et qu'en les retirant, j'ai compris qu'il valait mieux être commandant que simple matelot. Je suis flatté par ton obstination. Je dois trouver l'observatoire. On raconte que t'es le seul à savoir où on se trouve. On ne t'a pas menti. En dépit du dédain que m'inspire ton identité, je crois percevoir en toi une touche unique de génie. Je suis Bartholomé Roberts. Edward, je n'ai aucun secret à te révéler. Et si tu m'accordes ton aide, d'ici 2 mois que nous serons aux îles sous le vent, tu auras tes réponses, j'en fais la promesse. Ok, là on se rapproche de l'observatoire parce que nous avons le sage. Qui va... On doit attendre 2 mois. Ça y est, enfin une séquence bouclée. Normal, après chaque Templier meurt, une nouvelle séquence. Oh voilà, un bel épisode, à part le bug début, et voilà. Et après voilà. On va voir si on a une cinématique, normalement oui. Ou peut-être qu'on va être notre inconnu là, Abstergo, peut-être. J'espère pas parce que l'inconnu Abstergo est pas terrible. Je sais pas ce que vous en pensez, franchement, de ça, je trouve ça pas terrible. Ça casse l'ambiance. Et après j'avoue, ça laisse un peu une petite pause.
Mysteriosa, septembre 1719. C'est amusant, ça. Avec le scorbut, le remède est plus plaisant que la cause. Mais quand une catin te laisse un souvenir qu'il faut traiter au vif argent, c'est toujours plus plaisant d'attraper le mal que de le guérir. Quelque chose te ronge ? Ah, chaque homme rêve de vivre selon un code ou un credo, non ? Sauf qu'une fois le dos au mur, la plupart suivent leur instinct plutôt que les règles qui les régissent. Mais quel est l'attrait d'un credo s'il n'impose pas à tous les mêmes agissements ? Peut-être qu'il te donne le sentiment d'appartenir à quelque chose. T'en penses quoi ? Je crois qu'il y a un mouton en chacun. Et qu'un vieux loup comme moi mérite chaque once de sang. Fais route vers cet endroit. N'emmène que des hommes de confiance. Ah, ok. Serait-ce l'endroit où serait l'observatoire, les amis ? Eh ben, on le saura au prochain épisode. Ouais, on va s'arrêter ici, les amis. On espère que ça vous aura plu. Et on se retrouvera plus tard pour la suite. Hein. Ça sera le 33e épisode. Allez, ciao tout le monde !